Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch super facile à réaliser sur Fortnite qui va vous permettre de gagner des XP en illimité et ce, sans rien faire. Alors tout d'abord, vous allez devoir aller en mode créatif. Ensuite, quand vous êtes en mode créatif, vous allez noter le code sur cette console que je vais vous dire. Donc le code, c'est 008875423363. Point d'interrogation, V égale 60. Voilà, de toute façon, le code sera en description et en commentaire épinglé. Donc, vous acceptez le code de la map, vous attendez que la map charge et vous allez voir que c'est très facile. Vous avez juste un petit parcours d'édit à faire. Ouais, je pense que c'est un parcours d'édit, mais je suis même plus sûr. Et ensuite, vous arrivez sur le glitch et vous n'aurez plus rien à faire. Vous aurez juste à mettre votre analogue en avant et vous allez gagner masse XP. Alors, c'est parti. Quand la map est chargée, vous rentrez dans la map. Ensuite, le jeu va se lancer, c'est normal, c'est totalement normal. Quand le jeu s'est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez vers la porte où il est marqué IM course. Vous voyez, à chaque porte, il y a des numéros. Et là, il y a une porte avec marqué IM course. Donc, vous allez dans cette porte-ci. Ensuite, vous arrivez, vous mettez un sol juste ici. Ensuite, vous allez faire la map edit. Donc là, je vais vous mettre la vidéo en accéléré pour vous montrer où est-ce que je vais et quel chemin je prends. Mais normalement, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites la map edit vous suivez le même chemin que je vais vous montrer dans le gameplay. Et voilà, donc quand vous avez fait tout le chemin, il suffit juste de suivre le chemin en map edit, c'est assez simple. Vous sautez sur le sol que vous avez créé juste avant. Et là, vous allez tout simplement aller en avant comme ceci. Et à chaque fois, vous allez gagner des XP. Alors là, je prends 3 XP. C'est possible que d'autres personnes prennent plus d'XP. C'est possible que des personnes ne prennent aucune XP. Mais c'est un peu aléatoire. Il y a des comptes qui vont prendre énormément d'XP, il y en a qui ne vont pas en prendre du tout. Donc voilà, c'est aléatoire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essayer si jamais vous êtes intéressé. Vous essayez, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. De toute façon, le glitch prend quelques minutes à se réaliser, donc c'est assez simple à tester. Donc voilà. Alors c'est possible aussi que si maintenant vous gagnez, je sais pas moi, 1000 XP par 1000 XP par 1000 XP, là je prends du 3 XP par 3 XP, c'est possible que si vous gagnez du 1000 XP par 1000 XP, ça diminue très rapidement, j'aurai du 500, puis à du 200, puis après du 100, puis après du 50, etc. C'est totalement normal. Et c'est aussi possible que ça fasse dans le sens inverse, donc là je gagne du 3 XP. C'est possible que plus tard, je gagne du 4 XP, puis du 5 XP, du 6 XP et que ça monte. Donc voilà, c'est complètement random les XP sur Fortnite. On n'a jamais compris pourquoi. Donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, dernière chose. Vous voyez ici, quand je suis dans le coin, je ne gagne pas d'XP. Ici, quand je suis dans le coin, je ne gagne pas d'XP. Ici... Ça va. En fait, c'est dans les coins que vous ne gagnez plus d'XP. Ouais, c'est vraiment dans les coins que vous ne gagnez plus d'XP. Alors, ce qu'on va essayer de faire... qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Mettre un escalier, peut-être? On va essayer de mettre un escalier, L2. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, non, ça ne fonctionne plus. Donc, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être un chapeau, ouais, peut-être un chapeau. On va essayer de mettre un chapeau. Parce que je vois que quand je vais dans les coins, je gagne plus d'XP. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, parfait. Ah non, ça ne marche plus parce que je touche
je touche ma construction. Et là? Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer. Donc là, on peut casser ça. Si vous voulez faire de l'XP sans rien faire, ce qu'il faut faire, c'est essayer que votre personnage n'aille pas de gauche à droite. Là, regardez, j'ai réussi à caler mon joystick. Voilà, j'ai bien calé mon joystick pour qu'il ne bouge pas de gauche à droite. Donc, il faut vraiment que votre joystick soit tout droit et que votre personnage ne bouge pas de gauche à droite si vous voulez gagner de l'XP sans rien faire. Parce que si vous bougez de gauche à droite, à un moment, vous allez arriver dans un coin et vous ne gagnerez plus d'XP. Donc voilà, essayez de bien caler votre joueur pour pas qu'il ne bouge. Alors regardez là, en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à 3 XP. Là, je suis monté à 4 XP. Donc voilà, ça peut vraiment augmenter comme ça peut diminuer. C'est complètement random. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwagMunMec et ciao. Peace.